On est re... Voilà, on se retrouve pour la partie 2 de ce Grand Prix d'Italie. On est reparti. On a plus qu'une seconde d'avance. On est à la traîne dans ce dernier tour. Il en reste plus que 3 bientôt. Selon nos calculs, les pneus ont l'air de bien se porter. A priori, on aura une bonne adhérence dans les prochains tours. Tu perds une seconde au tour sur Hamilton. Il reste 3 tours maintenant. Alors là, je suis très concentré. Et là, je vous dis que Hamilton, je vais revenir plus loin. Attention, parce que là, Hamilton, il est plus rapide que nous dans la ligne droite. Je sais pas s'il a eu le DRS, mais il l'a pas eu. Il a 1 seconde 0008. 008. Raikkonen vient de signer un nouveau meilleur temps. Info course. Tu es en tête, premier. Hamilton derrière. Juste 1 seconde vous sépare. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Plus que 3 tours. 3 tours restants. La voiture de derrière roule à pleine charge avec un mélange 3. Il se prépare à attaquer. Et Lewis Hamilton qui est parti à la faute. Partout et j'ai sorti Lewis Hamilton. C'est dommage, j'ai récupéré un peu de forfait. 12, 13, il reste plus que 2 tours. Je vais finir avec Hamilton derrière. Il y a quelqu'un dans les stands. Il y a plus que 19 voitures. Qui c'est qui a abandonné? C'est Jenson Button qui a abandonné. Accident. Alors, c'est Lewis Hamilton qui est responsable de la collision, donc c'est bon pour moi. J'ai rien, Felipe Nasser. Drapeau jaune ignoré 5 secondes. Il n'y a que Nasser qui a pris une pénalité. Alors. On a passé le 12e tour. Là. On a les derniers instants. Ce Grand Prix qui compte surtout pas que Robert ne passe. Alors que Bottas a réussi à passer devant Raikkonen. Ok, la ligne est très facile. Une seconde 462. DRS, le temps de DRS. Normalement, il n'a pas le DRS, il nous revient. Oula, ça, c'est quoi de vitesse? Une seconde 280.
On a encore l'avance. Comme tu l'as dit, les chances, ça fait beaucoup de choses. Mais Nico Rosberg qui se montre à côté de nous maintenant. Dernier tour. On sait, on prend la situation. On se montre, on est ici. À la réaccélération, j'ai accéléré beaucoup plus tôt que lui. J'ai réussi à passer dans le virage. On va revoir le dépassement. Il me dépasse tranquille. Et là, faut tenter. Je me montre en bloquant les pneus, les roues. Et je réaccélère beaucoup mieux que lui. Et ça passe. Allez, on va revoir le côté de lui. Ah, lui aussi, il est le côté de lui. Parce que les deux pneus sont arrêtés. Il arrive très vite là quand il arrive là. Allez, obligé de rester à l'intérieur pour me laisser passer. Il est pas loin hein, quand même, faut se méfier. Vettel vient d'inscrire le meilleur tour en course. Ah oui, Vettel il est où juste? 10e. Il y a eu un souci là. Button avec Grosjean encore une fois. Attention, une passe avec le DRS. Si tu continues à couper les virages, les commissaires vont t'infliger une pénalité. Ce n'est vraiment pas le moment de partir en tête à queue. On finira que 3e. Encore à cause d'une Mercedes, vous ne comprenez de Belgique, c'est une Mercedes. Au Grand Prix de Hongrie, c'était une Ferrari. Et encore aujourd'hui, c'est une Mercedes qui nous emmerde. C'est le mot, hein. Là. C'est lui qui va nous approcher. Pas moi qui va. Regarde, regardez, regardez. Il se bouge même pas quand il me voit arriver. Je suis désolé, mais là, il va m'énerver. Du coup, je serai quand même sur le podium. Mais qu'est-ce qu'il y a la dernière là? Alors je reste sur la pile. N'importe quoi. Fin de course dégueulasse. Voilà, on est sur la 3e marche. C'est moi ça pour qu'on est quand même présent. Là, Rosberg, il se fait un bruit, je me crois que tu as un point dans la tête. Ça se met comme Rosberg, là, ça fait deux grands coups de suite où il nous sort de la piste. Bravo à Valtteri Bottas qui remporte la course aujourd'hui. Félicitations à lui et à l'équipe Williams pour leur fantastique performance. Très belle performance, à n'en pas douter, on n'est pas prêt de l'oublier. Après tous ces événements, il serait dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Daniel Ricciardo. Ah ouais, alors attends. Il y a eu 3 collisions dans le 13e tour. Non, 4. 4 collisions dans le 3e tour. Une fois c'est Rosberg, une fois c'est moi, une fois c'est Rosberg, une fois c'est moi. Donc on sait pas qui c'est qui est vraiment fautif sur ce truc. Mais c'est pas grave. Et donc il y a Felipe Massa qui a abandonné, c'est tout. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine.
pour quel Grand Prix? Et au constructeur, attendez, championnat des pilotes, je suis toujours premier avec 52 points d'avance sur Nico Rosberg. Mais au constructeur, et ça y est, on a reculé, moins 19 d'écart, on n'est plus devant. Ah, j'aurais peut-être été devant là, peut-être que j'aurais repris de l'avance. Quoique. Bon, maintenant, c'est quoi le Grand Prix? Après Monza, je crois bien que c'est le Grand Prix de Singapour. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est Singapour. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous à Singapour.